Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Parons nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi, l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il ne se détourne du mal et se dirige vers le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Seigneur, notre Dieu, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareil au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Lui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À
ce qu'il fait sur sa conduite, je verrai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent le pesant fardeau, difficile à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. A fait alliance avec son peuple, et nous sommes ce peuple, membres de ce peuple, et sommes en marche avec le Seigneur. Rendu à la deuxième semaine, appelé avec Pierre, Jacques et Jean, tout comme avec Abraham, qui se donne d'aller à l'écart dans une terre nouvelle. Nous aussi, nous sommes appelés, même au cœur de la difficulté, à continuer à progresser avec le Seigneur, qui déjà, à travers la transfiguration, nous fait entrevoir la finale de notre existence, la résurrection, la gloire de Dieu. Comme nous l'a invité le pape à travers son message du temps de carême, nous sommes nous aussi appelés à continuer à accomplir le bien,
à faire le bien. N'est-ce pas là le message qu'Isaïe nous adresse ce matin dans la première lecture? Et le bien à opérer, à accomplir au milieu de nos frères et de nos sœurs, ou en faveur de nos frères et de nos sœurs, le Christ Jésus nous dit que nous devons l'accomplir dans un esprit d'humilité. Nous demandons cette grâce au Seigneur ce matin pour que l'humilité puisse habiter notre cœur, pour que l'esprit de service soit aussi dans notre cœur et que nous puissions réaliser aujourd'hui, comme hier et pour l'éternité, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ces cérémonies, partant aujourd'hui de l'accueil du cardinal Zappalinga, qui présidera à cette ordination. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive des promesses et sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, que notre bien et celui de toute l'Église. Dans ces mystères de paix, Seigneur, tu travailles à notre sainteté. Purifie-nous des convoitises de ce monde et conduis-nous aux richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une personne de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur.
de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le lia à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Le mystère de la foi. Nous annonçons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la chair de ton peuple. Souviens-toi, l'abbé Hervé Zendon, l'abbé Jean Ban, l'abbé Grégoire Féoulou, la sœur Agnès Marie. Souviens-toi de tous ces frères et sœurs nôtres qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection à cause de la pandémie de la COVID-19. Le personnel de santé, nos forces de sécurité et de défense. Enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur le cardinal Zapalenga, sa présence au milieu de nous, à partir d'aujourd'hui. Implorons ta bonté sur Monseigneur Séverin Zienghi Manganza. Pour Louis, qu'elle a su te dire. Qui le renouvelle chaque jour. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs engagés dans l'organisation de l'ordination épiscopale du Seigneur Séverin. Nous implorons ta bonté sur nos corps de sécurité de défense, sur le personnel soignant, sur toutes les autorités de notre pays. Implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et nous ayant part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils et bien-aimé.
par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, que l'honneur et te gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Car soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons tes accomplices. Donne-nous cette paix conduite à la virginité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si nous partageons comme le pain notre vie, si l'on peut dire en nous voyant ces Dieu vivant, Jésus-Christ ne jamais ne sera mort. Jésus-Christ ne jamais ne sera mort. Mon âme, Seigneur, je te rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles. J'exulterai, je danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Prions encore le Seigneur. Je te communions, Seigneur,
nous aide à vivre plus saintement, confiant dans ton inépuisable bonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous et à toutes. Merci mon Père, à vous aussi. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin, et si jamais je doute, ta